Approchez! En position! Faites pleuvoir les flèches à mon signal! Soldats! La bataille sera féroce! Ils veulent nous massacrer! S'emparer de tout ce que nous possédons et aimons! Et ne laisser que des ruines derrière eux! Qu'ils viennent! Et nous verrons qui sera le plus fort! Archers! Tirez! Donnez-nous des cibles, Centurion! Balistes! Visez leurs engins de siège! Restez près des remparts! Dès que leurs échelles touchent les pierres, repoussez-les! Les voilà! Ça, c'est pour un mal, les marins! Archers, tirez! Repoussez les échelles!
cible. Balistes, visez les tours et les soldats. Conduisez ces gens au navire! À vos ordres! Je dois aller sur les quais. Existe-t-il un autre chemin? Oui, vous pouvez passer par les bas-quartiers. Les Bretons arrivent! Les Bretons arrivent! Donnez-moi une épée et j'irai affronter ces chiens moi-même. Tout à la vie ! Allez ! Allez ! Un centurion ! Jetez-les sur le bûcher !
porte ne s'ouvre pas. Nous sommes coincés. Le repli. Nous devons aller au palais de justice. Centurion, nous sommes coincés. C'est maintenant une heure. Leurs archers nous servent. Ces barbares refusent de lâcher prise. Avec moi, soldats! Ils vont goûter à la force de nos boucliers! Au tranchant de nos lames! Tous nos boucliers! Rassemblez les survivants et repliez-vous! Les autres, sécurisez le pont pour la retraite! Je vais retrouver Vitalion au palais de justice! À vos ordres! À vos ordres!
n'approche pas du palais de justice. Préparé pour le prochain assaut. Marius, viens, suis-moi. Nous allons peut-être pouvoir obtenir un répit. York est perdu. Nous devons essayer de sauver le plus d'hommes possible. Le fleuve est notre seule issue. Nous les aurons à Rome, à bord du navire de guerre. Il est capable de soutenir toutes les attaques lancées par les barbares. Non, ils devront embarquer sur les autres navires. Commodus et sa garde ont fui à bord du navire de guerre. Ils ont été les premiers à quitter le port, en jetant femmes et enfants par-dessus bord. Quel est l'état de nos défenses, soldats ? Nous sommes coupés de tous les quartiers et nous essayons de tenir les ponts, mais la plupart des nôtres ont été évacués. Bien. Quand tous nos hommes seront à l'abri, nous évacuerons sur le dernier navire. Compris ? À vos ordres ! Marius, par ici. Il faut absolument en informer le Sénat. Commodus devra D'accord. payer pour ce qu'il a fait. Prends le commandement, Marius. Va chercher nos hommes sur le pont et ramène-les vivants. Je vais superviser l'évacuation. Vous là ! Repliez-vous ! Préparez-vous à évacuer ! Je vais prendre le scorpion pour couvrir votre retraite. Faites-moi passer sur la rive gauche. Tirez ! Allez ! Yeah.
départ du navire. Non! C'est vous qui partez! Vous devez vivre! Le Sénat vous écoutera, vous êtes un commandant! Ils vous écouteront! Allez-y! Thank you.
Damoclès était un grand guerrier. Il était admiré par toute son armée. Mais ses méprisables généraux l'abandonnèrent. Némésis, déesse de la vengeance, permit donc à Damoclès de regagner le monde des vivants sous la forme d'un esprit vengeur. Un centurion en armure noire qui n'aurait de repos qu'après avoir chassé et tué tous les généraux qu'il avait trahis. Marius Titus, tu es un général de Rome. Je t'ai fait venir pour me protéger de Damoclès. Mais tu es Damoclès! Les dieux me viennent en aide! Tu es Damoclès! Oui, en effet. Et mon histoire touche presque à sa fin. Je n'avais plus qu'un seul but, un seul et unique désir. Le désir de vengeance. Me venger de l'empereur Néron, qui avait massacré ma famille. Me venger de ses fils méprisables, qui avaient décimé ma légion! Pour accomplir cette vengeance, il me fallait revenir aux origines. Retourner chez moi. Le chemin du retour vers Rome fut pavé d'embûches. Le mal dont souffrait la Bretagne s'était répandu dans cette ville. Des réfugiés affamés se pressaient sur les routes pour échapper à la torture et à la misère, fuyant une Rome autrefois libre. Le chaos avait remplacé l'ordre. Mon seul but désormais était de regagner Rome et de mettre un terme à cette folie. Je devais empêcher Néron de détruire la ville que j'aimais, et la rendre au peuple.